à tous. Bon, alors aujourd'hui on est dans un petit point cuisine intéressant. Donc j'ai embauché parce que j'avais la flemme de commander à bouffer, donc j'ai fait venir des mecs qui sont chez moi et qui font la bouffe. On n'est pas payés. Ils sont pas payés. Ils sont même un peu frappés parfois de temps en temps. Là, tu vois, c'est... Bon. Hop, c'est pour les motiver. On présente un peu, non? Ah oui, on présente. Alors Dal, t'es quoi? T'es assistant chef numéro 2, hein? Non, numéro 1. Bah, j'aide un peu. T'aides un peu. Moi, je suis aux légumes. T'es aux légumes, ok. Donc là, on a fait aujourd'hui. Bonne purée. Une bonne purée. Mousseline. Mousseline. Mousseline avec. Mousseline avec. Avec les trois saveurs qu'on a, vidé dedans. Au début, on savait pas ce qu'il fallait tout mettre. Voilà, on a tout mis avec deux sachets. On a fait compter des petites cuisses de poulet. Donc ici c'est de la sauce barbecue et ici c'est de la moutarde. Les courgettes de Balta, il faut faire en premier parce que c'est très très long à cuire, ça paraît assez fou. C'est un peu comme les pommes noisettes, il y a écrit 8 minutes sur les sachets, il faut faire cuire genre environ 45 minutes pour que ça soit bon. Et puis on s'est rendu compte finalement que et plus ça, plus évidemment la vodka pour faire des vodka toniques, etc. Les chouettes et tout. On en a eu pour 13 euros chacun, alors que quand on va au resto, on en a pour. Une vingtaine, trentaine d'euros. Ouais, 20-30 euros pour bouffer plus, boire un petit coup, etc. Et là, regardez le fessin qu'on se fait pour la modique somme de 13 euros chacun. Donc c'est 16-17 euros. 16-17. Voilà. On n'a pas mieux, hein. Mais on n'a pas mieux. Franchement, on est bien. Là. C'est un repas gourmet. On est bien. Donc on s'est tous bien réparti les tâches. On est assez satisfait. Putain. Mais qu'est-ce qu'il y a? Donc Balthazar a eu un petit problème en cuisine. Faut pas le dire, c'est vrai. Balthazar, il veut pas dire ce qui vient de lui arriver. C'est ça l'expérience. Et voilà. Allez, il est tombé sur. On s'est retrouvé avec le mauvais pot de crème. Donc voilà, on dira pas on l'a acheté. Bon, en tout cas, très sympa, très sympa. Et puis voilà, donc n'hésitez pas. Donc c'est quoi, Balta, si tu devais nous dire à la Top Chef, si vous deviez nous expliquer la recette d'aujourd'hui, c'est quoi? Qui se lance, Balta ou Dal? Dal, vas-y, t'es bouillant. Attends, juste avant. Oh non, vas-y. On fait les faux filets ou pas? Vas-y, on va les faire. Bonne mousseline. Avec de la crème et du muscat. Ouais. Accompagné d'une grillade de pignons de poulet. Oui. Moutarde et barbecue. Et avec un bon assortiment de courgettes. La courgette. Bienvenue à l'ail et à l'huile d'olive. Et à l'ail et à l'huile. Oh là là, Balta, un truc à ajouter? Moi, je propose de faire les faux filets. Hein. Franchement, on va chauffer. On va faire les faux filets avec. Et j'ajoute aussi que c'est quand même la même équipe qui avait à la campagne il y a un an. Si vous tapez sur le blog Poulet ou même sur Google Martin Poulet, je suppose que ça marche très bien. On avait fait cuire de poulet. On se lançait dans des aventures, on était plus jeunes. Là, finalement, on lâchait des poulets découpés. Des poulets à la broche dans la cheminée. Fourré au barbecue à la moutarde. Hein. Fourré au barbecue à la moutarde au miel, c'était assez incroyable. Et c'est drôle. Là, c'est plus soft. Cette recette est magique et elle restera gravée à jamais dans mon mémoire. Aggravée dans le. Attends, le moment où on a embroché les poulets, c'était quand même le plus beau de tous les moments. Dal, c'est la fin de la vidéo. J'ai juste un mot à dire, c'est bon appétit à tous. Salut à tous. Ah. Salut à tous. Salut à tous. Et comme d'habitude, le meilleur pour la fin. FIM, c'est pas drôle du tout. Le meilleur pour la fin, FIN pour le coup. Salut à tous.